La classe. Alors ça, c'est merveilleux. Bon, super. Là, les coquillages. J'ai mes légumes. J'ai pris un peu de coriandre. J'ai pris des échalotes, des belles tomates. Hop, une courgette et une patate douce. Ah, bah tiens. Ça, c'est, tu vois, c'est original, ça. Là, un petit couteau, mon fusil. Ah, du poivre, ça, c'est important. Mon moulin. Ah, ça, c'est un vrai travail d'équipe. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, l'huile, elle sent bon. C'est de bonne huile. Ah, ouais. Hey, et je compte sur vous tout à l'heure pour une bonne bouteille de vin blanc. Ah, ouais, ouais. Hein? On va rentrer, mais... Là, hop, là. Alors, tu vois, voilà, là, je vais couper comme ça. Filet d'huile d'olive. Alors, moi, je suis toujours généreux sur l'huile. Là, tu vois, ça commence à chanter. Un peu de cumin, maintenant. Voilà, alors... Très bon, hein? Voilà. Alors, ce qui est important avec la patate douce, c'est un légume qui tombe en purée assez facilement. Donc, on va le couper, mais après, il faut juger de la taille de ta découpe pour que ça reste en morceaux et que ce soit moelleux en même temps, tu vois. C'est un peu comme... En quelques minutes, je me transforme en camelot de la cuisine. Le charme de ma cook case fait déjà effet. On passe, on sent, on photographie, on observe, on a envie de goûter. Cette recette improvisée dégage un parfum délicieux. Bah là, du coup, maintenant, on va mettre le vin blanc. Oh, ça, moi, ça, je vais goûter quand même une autre fois, pour être sûr. Oh là là, c'est bon, ça. Bon, allez, je te mets là. Ouais. Pas les carottes, peut-être. Non, c'est la patate douce. Ah, mais la patate douce, elle, là, elle cuit dans le bouillon de la tomate. Et j'ai mis aussi quelques raisins secs de différentes tailles que j'ai légèrement hachés. Et là, je vais mettre d'abord les palourdes, qui sont un peu plus grosses. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Donc maintenant, mes Saint-Jacques, je les coupe en deux. Hop. Hop. Les huîtres, hop, dessus. Elles vont être pochées avec la vapeur, tu vois. Mais alors, c'est vraiment, tu vois, très peu de cuisson. Hein. Les Saint-Jacques, on les pose dessus. La coriandre, on en met un petit peu par-dessus pour le finir. Filet d'huile d'olive, quand même. Hein. Voilà. On laisse dessus. Voilà, je vais éteindre. C'est fini. Oh, c'est parfait, ouais. Je ramène le verre derrière. Allez, hop. Voilà. Hop là. Alors, si tu fais ça avec du pain, tu trempes le pain dans le bouillon, tu vois, tu peux te lâcher, là. Bon, je vais goûter aussi, alors, du coup, moi. Hein, quand même. Un peu chaud, mon cher. Ouais. Ah, ça fait plaisir de les voir sucer les coquilles et tout. Ah, hein. Bah ouais. Ah, bah non, mais. Ah, ça, c'est suceur de coquilles. Bah, la nôtre, hein. Ouais. Merci, merci à toute l'équipe, vous avez été super. J'espère que ça sera Je passe un moment. Merci à vous. Merci à toi. Merci à l'équipe Poinou.